cette nouvelle balade gourmande, je vous propose une viande exotique, des petites bêtes à cornes, un plateau de fromage digne des plus grands affineurs et la cuisine d'un grand chef qui a le nez dans les étoiles. Vous êtes prêts? Alors décollage immédiat pour la belle région de Dinan. Bonjour Pierre Rizimon. Bonjour Roland. Alors ça moi va? Je suis très content de vous rencontrer aujourd'hui et pour démarrer cette émission ensemble. On va essayer de ne pas plonger dans l'eau. Déjà. Voilà, c'est pas vraiment pas le pont des soupirs, hein, mais c'est plutôt le petit pont de bois. C'est qui a dit ça, mais il est un petit peu, vous voyez, un peu fragile là pour l'instant. Il est rustique. Il va très fait. Il est rustique, il est rustique comme la région, une région que vous connaissez depuis longtemps et que vous appréciez. Ben oui, il y a 20 ans quand même que je suis dans la région, donc je connais un petit peu, j'ai fait le tour un petit peu de tous les producteurs, de tous mes fournisseurs qui fournissent des produits vraiment de la région. Parce que pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, Pierre Rizimon est le chef, le grand chef de l'eau vive ici à Rivière. Bon, grand chef, oui, de taille. Depuis combien de temps? Ben 22 ans maintenant, voilà. Donc, 22 ans. Ouais, et deux étoiles au guide Michelin. Depuis deux bonnes années, là. Et ça, on en reparlera tout à l'heure. Oui, les produits, vous les travaillez, les produits de la région? On travaille les produits de la région, comme la truite de chez François Desjardins. On travaille le fromage ici de Saint-Gérard, qui est excellent. On a la fraise de Ouépion, qui est à côté aussi. On travaille les produits de la région, on travaille de la viande, la boucherie de la ferme à Pont-de-Rome. Je travaille beaucoup ses volailles aussi, donc il fait du cochon aussi, un élevage de cochon. Il fait un élevage de vaches, parce qu'en fait, il y a une ferme sur le côté. Voilà. C'est important pour un chef de travailler les produits du coin? Ouais, c'est super important, et puis les gens sont sensibles à ça, parce que bon, c'est quand même des produits de la région. Quand on se déplace même en France, on essaie toujours de manger des fromages de la région, des produits de la région, et ici, c'est pareil. Donc les gens, ils viennent pour découvrir des produits qui sont d'ici. Voilà, et bien moi, je vais aller tout de suite à la rencontre de ces producteurs qui nous font de bonnes choses. Vous, je vous laisse derrière vos fourneaux. Essayez un petit peu de travailler, Un petit peu de travailler. Et on se retrouve après. Ça va, d'accord. Non, merci, parfait. Merci. Bonjour Christine. Bonjour. Bonjour Luc. Bonjour. Bonjour Geneviève. Bonjour. Je vous présente Christine et Luc Tazio qui sont exploitants ici à Natoy. Ils ont une ferme, une exploitation traditionnelle, on va dire. Hein. Oui. Il y a du bétail, il y a des grandes cultures et il y a ceci. Un comptoir magnifique qui n'a rien envié aux crèmeries de nos grandes villes. Alors ce comptoir, Christine, il existe depuis combien de temps? Eh bien voilà, tout juste un an que nous venons d'ouvrir. Mais bon anniversaire. Merci. Alors Luc, je me suis laissé dire que votre beurre et votre yaourt ont une douceur incomparable. Est-ce vrai? En tout cas, on essaye. Comment faites-vous? Dites-moi. Ben, on se fait suivre par un nutritionniste et voilà. Un nutritionniste. Et on a recadré un peu, on a changé un peu toute notre manière de travailler au niveau des vaches. Donc un yaourt plein de douceur, sans trop d'acidité, c'est bien ça? C'est bien ça. Et même chose pour le beurre? C'est bien ça. Christine, le but d'un comptoir, c'est bien entendu de vendre ses produits, mais c'est aussi de faire connaître d'autres produits de producteurs tels que vous dans la région. Alors, tout ceci, dites-moi. Voilà, ben on a voulu vraiment développer, de travailler vraiment un maximum avec des petits producteurs. Oui. Donc voilà ce qui... Il y en a quelques-uns, des petits producteurs, à mon avis, parce qu'il y a un choix énorme au niveau voilà, des fromages. Voilà, on a essayé un petit peu de proposer un peu tout ce qu'on a. Ça, c'est un plateau régional. Voilà. Voilà une bonne idée pour vos convives. Oui. Un plateau à base de fromages de la région. Voilà. Qu'est-ce qu'on y trouve? Eh bien, on a ici sélectionné, par exemple, un petit chèvre frais aux épices italiennes. C'est ça. Voilà. Je goûte, il vient d'avoir une récompense au concours Fromawal. On a aussi le petit Gabriel de la ferme de Jean Bjoul, un fromage très crémeux. Là. Alors là, on est vraiment dans la douceur qui fond en bouche. On a également le petit Pré au Loup,
ou fines herbes qui vient de la ferme Krivitsa-Bonin. Et là, en pâte dure et qui est extra. Suivez-moi, on continue dans le comptoir. Puisque pour ceux qui préfèrent les salaisons, eh bien, ici, il y a moyen de faire son choix. Hein. Dites-moi, vous travaillez avec qui? Nous avons toutes les salaisons, charcuterie, de la boucherie de la ferme à Pont-de-Rôme. Ici, on en a un petit peu rassemblé. Allez, je crois qu'il est bien goûté. Il fait du boudin. Oui. On a le boudin blanc, le boudin noir, pâté campagne, les petites ficelles et le jambon de ferme. Et alors, pourquoi ne pas réaliser une petite salade? Et on va l'assaisonner d'une manière régionale aussi, Christine. Oui, oui, on a les huiles alvenates, les huiles de colza, ici du village à côté. Et tout récemment, on vient de sortir l'huile de chanvre. Ça, c'est bien la première fois que je vois une huile de chanvre. Hein. Oui, c'est tout nouveau. Riche aussi en quoi? En oméga? Riche, le rapport est idéal en oméga 3, oméga 6. Voilà. Et alors, on a évidemment quelques petites vinaigrettes sympathiques. Christine et Luc, là, parce que vous discutez, là. Un an, vous m'avez dit que le comptoir est ouvert. Oui, toujours. Allez, OK. Ouais. Moi, je vous fais un petit cadeau. C'est vite fait, regardez. Bon anniversaire. Merci. J'ai facile, là, avec tout ce qu'il y a derrière. Oui, 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 c'est ça, sûr. Ça, c'est aussi une idée. Voilà, c'est ce que nous proposons à nos clients. Des paniers garnis pour offrir à toute occasion. Qu'est-ce que vous mettez dans ces paniers? Un maximum tapenade, moutarde, confiture régionale. Oui, 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 bien sûr. Les vins de fruits ont beaucoup de succès. Les cuberdons wallons. Des cuberdons, des bonbons de chez nous. Les derniers cuberdons. Voilà. Écoutez, c'est magnifique. Oui. En tout cas, félicitations pour tout ce travail. Félicitations pour cette première année. À mon avis, il va y en avoir bien d'autres. On l'espère, oui. Et on sent qu'il y a une belle symbiose derrière le comptoir. Oui, c'est vrai que. Est-ce qu'on peut dire que l'amour est derrière le comptoir? Ah oui, sans problème, oui, oui. Extraordinaire. Je vous laisse, à bientôt. Oui, merci. Au revoir. Et merci. Hein. Au revoir. Bonjour, Régina. Bonjour à vous. Alors, vous êtes en pleine chasse aux œufs, je vois. Eh oui, regardez, voilà, par exemple, aujourd'hui, j'ai récolté deux œufs. Eh bien, ça veut dire que les enfants ici du coin, ils vont être gâtés pour Pâques, hein? Eh oui. C'est pesant, un œuf d'autruche. Un œuf d'autruche, ben, pour vous avoir une idée, ça équivaut de 24 à 30 œufs de poule. Quelle omelette. Et je vais même vous montrer quelque chose au niveau de la résistance. Regardez. Allez, attendez, vous allez. Voilà, je le pose au sol. Ouais. Et quoi? Je monte dessus? Montez dessus, vous allez voir la résistance. Mon Dieu, voilà. Et pourtant je ne suis pas léger. Hein. N'est-ce pas? Dites-moi, est-ce que ce sont des animaux sympathiques? Parce que là, on voit, on a du public aujourd'hui, ils ont l'air, ont l'air tout intéressés, mais est-ce qu'il ne faut pas un peu se méfier de ce genre d'animaux? Oui, il faut être quand même très prudent avec les autruches parce qu'elles ont un caractère très indépendant et très territorial. Voyez-vous, ça veut dire que ça développe une certaine agressivité? Oui. Oui, quand même. Donc ici, on peut mal. Voilà, ici vous êtes chez vous, là c'est chez elle. D'accord. Mais il ne faut pas passer la frontière du fil. L'autruche est plutôt un dinosaurien. Dinosaurien? Un dinosaurien, voilà, au même titre dans le fond que le crocodile, que la tortue, que le scorpion. C'est vrai que quand on voit les pattes de cet animal, ça rappelle quand même certaines choses. Ça rappelle franchement le dinosaure. Oui. Et au niveau élevage, ben, c'est un peu un compromis entre le bovin et l'équidé. Donc, il faut élever l'autruche comme on élève des chevaux, comme on élève des vaches. Mais pas comme on élève de la volaille. Voilà. Est-ce que les naissances, puisque voilà, on a des œufs, est-ce que les naissances ont lieu toute l'année? Comment ça non. se fait Alors, dites-moi. Actuellement, donc, nous rentrons dans la période de reproduction. D'accord. Cette période de reproduction va s'étendre d'avril à septembre. Voyez-vous? Et alors, une femelle pond en moyenne un œuf tous les 2 à 3 jours. Quand même, c'est pas mal. Oui. Et une femelle en moyenne pond entre 50 et 70 œufs sur l'année, en quelque sorte. L'autruche est herbivore, qu'est-ce que vous leur donnez à manger? Voilà, oui, c'est un herbivore à tendance omnivore, 80%, donc comme le cheval ou la vache, et elles sont aussi 20% omnivores.
Ça veut dire qu'elles vont se nourrir de... Elles vont trouver de la viande sous forme de petits mammifères, reptiles, batraciens, gastéropodes. Mais alors, elles chassent elles-mêmes. Elles chassent elles-mêmes dans les pâturages. Alors, bon, c'est un élevage. Qui oui. dit élevage dit, bien entendu, viande pour la consommation. Alors, une autruche, elle est abattue vers quel âge? On ne s'occupe pas en réalité de l'âge. On s'occupe plutôt du poids. Donc, on commence à prélever dans le cheptel de production à partir de 85-90 kilos sur pied. Vous abattez vous-même? Oui, j'ai les compétences pour abattre les autruches. Et mes bêtes, évidemment, je les abats moi-même. Actuellement, je vais dans un abattoir. Mais nous venons d'introduire les demandes pour le permis de bâtir pour avoir notre abattoir propre à la ferme. Et l'atelier de découpe, vous l'avez bien entendu? Cela, j'ai déjà l'atelier de découpe depuis 15-16 ans. On va y aller tout de suite, si vous voulez. On va aller voir la carcasse, voir un peu la qualité de cette viande. Absolument. Allez, je vous suis. Réginald, on a endossé la tenue de circonstance. C'est important pour préserver toutes les normes d'hygiène. Hein. Absolument. Voilà. Alors là, vous êtes en plein travail. Alors dites-moi un petit peu, c'est une viande qui est rouge finalement, un peu comme la viande bovine, non? Voilà, la viande d'autruche est une viande rouge, même plus rouge que le bœuf. Quelles sont ses grandes qualités? Les grandes qualités, c'est une viande qui est riche en fer et en protéines. C'est une viande très maigre, puisqu'elle ne fait que 0,2 en cholestérol. Bravo pour la diététique, ça. Absolument. Elle a d'autres qualités? Alors, oui, dans le sens que l'autruche est un animal, elle est auto-immune. Pas besoin de médicaments. Pas de médicaments chez l'autruche. Et surtout pas d'antibiotiques, puisque l'antibiotique est un poison pour l'autruche. Donc, si je vous ai bien compris, pour manger sain, manger de l'autruche. Manger de l'autruche, exactement. Alors, je vois que vous avez déjà préparé quelques pièces. Est-ce qu'on retrouve un petit peu les pièces qu'on retrouve dans un bœuf, style filet contre voilà, filet, exactement. Steak? On a le exactement. Steak d'autruche. Regardez, ouais. Par exemple ici, voilà, le morceau le plus noble de l'autruche, le filet pur. Il est magnifique. Il est magnifique, c'est tout, un c'est vrai qu'il est maigre. Hein. Très maigre. Ouais. Vous avez le rôti filet ici. Ouais. Bon, je vais encore le terminer. Ouais. Mais le rôti filet, donc, comme le nom l'indique, peut être cuit en rôti, peut être coupé en filet. Dites-moi, vous avez ça, quel goût l'autruche? Ça a un goût assez doux, contrairement à ce qu'on peut penser, et un léger goût noisette. Vous allez me faire goûter ça? Absolument. Nous allons goûter l'autruche en cuisine. Réginald, on va passer aux choses sérieuses et sympathiques, bien entendu, puisque nous allons passer à la dégustation du steak d'autruche. Quand je le vois dans sa poêle, ma foi, je me dis, la cuisson, c'est un peu comme un steak de bœuf, non? Oui. Et on l'assaisonne un peu comme on veut, non? Ah non. Non? L'autruche, poivre, épices, condiments, tout ce que vous voulez, mais ne jamais saler la viande d'autruche. Pourquoi? Parce que c'est une viande qui est naturellement minéralisée, n'est-ce pas? Et en plus, comme elle est très maigre, si vous mettez du sel, même en fin de cuisson, elle sèche. Elle a toutes les qualités, cette viande. Elle a toutes les qualités. N'est-ce pas, Martine, qui est l'épouse d'Original et qui est au fourneau et qui va nous préparer ce petit steak. Il est à point, là, Martine. Oui. On peut y aller. Il est bon. Eh bien, je vous en prie, on arrête la cuisson et vous allez nous découper un petit morceau de ce steak d'autruche. L'avantage de l'autruche, vous pouvez le cuire poêle, four, casserole, wok. Magnifique. Hein, en fondu, en pierrade. Donc vraiment de toutes les façons que vous désirez. Et avant de vous quitter, je vais déguster un petit morceau. Bon appétit. Très tendre. Il va falloir que je vous quitte. Bonne chance dans votre élevage. Merci. À bientôt. J'ai des escargots qui m'attendent maintenant. J'y vais. Ne les faites pas attendre. Merci. Au revoir. Bonjour Eric Froli. Ah bonjour Monsieur Roland. Alors si j'avais su, ben, j'aurais mis mes bottes, hein, parce qu'il pleut tous les jours chez vous finalement. Ben oui, chez nous c'est l'adage, la pluie fait le beau temps.
Le beau temps des escargots, bien sûr. Hein. Voilà. Alors, dites-moi un petit peu, si je vous dis que vous êtes escargotier, vous n'allez pas aimer, je crois, parce que ce n'est pas vraiment le terme qu'on utilise. Disons, oui, disons que c'est un peu familier, escargotier. Je préfère héliciculteur. Je sais que c'est un peu pompeux, héliciculteur. Ah, ouais. Mais enfin, bon, le mot héliciculteur vient du nom scientifique de l'escargot qui est hélix. Et hélix vient de la coquille qui tourne comme une hélice, comme un hélicoptère, par exemple. Ah ben voilà, et donc, finalement. C'est simple, finalement. Finalement, je suis un éleveur d'hélices. Voilà. Tout à fait. Alors, vous êtes éleveur d'hélices depuis combien de temps? Oh, depuis, comment c'est arrivé, cette belle histoire? Oui, depuis très longtemps. Disons que j'ai fait un graduat en agronomie à Hatte et j'avais choisi comme sujet de fin d'études l'élevage des escargots qui, à ce moment-là, était à ses prémices. Vraiment, c'était tout nouveau. Et je suis devenu professionnel en 87. Vous êtes un des premiers éleveurs, finalement? Tout à fait, oui, tout à fait. Alors, dites-moi un petit peu, comment se passe le cycle d'un élevage d'escargots? Je suppose qu'il y a un début, bien entendu, il y a une fin aussi. Tous les éleveurs professionnels travaillent à peu près de la même façon. Donc, on a, je veux dire, la reproduction, pour commencer, qui se fait demi-février. Je me baisse, parce que regardez, il y en a un qui s'échappe, là, rattrapez-le. Voilà. Voilà un beau spécimen. Oui, tout à fait. Donc, tout d'abord, parlons un peu de la race. Je me permets de faire une petite parenthèse. Donc, l'escargot que j'élève, c'est l'Hélix aspersa maxima, qu'on dit aussi petit gris maxima, parce qu'il est le plus gros des petits gris. C'est le plus gros des petits gris. C'est le plus gros des petits gris. Il est déjà pas mal, ça. Oui, il est déjà beau, celui-là. Il est bon, il est quasi bon. On va en parler tout à l'heure. Tout à fait. Revenons-en au niveau du cycle d'élevage. Donc, on fait la reproduction. Ensuite, les bébés viennent d'abord dans des serres et sont transférés à partir du mois de mai dans des parcs en plein air. La récolte va commencer début août. Et puis, donc, on va terminer le ramassage à l'extérieur vers la mi-octobre et dans les serres vers la fin novembre. Alors nous sommes au mois d'avril, comment se fait-il qu'on a déjà de si beaux spécimens ici? Oui, ben, il faut savoir qu'il y a des escargots qui sont plus lents que les autres et donc en fin de saison... C'est les paresseux ça? C'est les paresseux, oui. En fin de saison, on a toujours à peu près 10% d'escargots qui sont trop petits pour être commercialisés. Alors ceux-là, on va les mettre hibernés dans des paniers et puis au printemps, ils vont être ressortis et nourris pour qu'ils terminent leur croissance et ceux-là seront bons à être ramassés d'ici un mois à peu près. Alors, dans un mois, ramassage, et après? Ben après, direction la cuisine, évidemment, où ils vont être préparés. Hein. Là, vous allez m'emmener, on va aller voir ça tout de suite. On va aller voir ça tout de suite. Eh bien, je vous suis. On y va. Voilà. Eric, il me semble qu'il y a de l'activité ici. Hein. Oui, on voit que c'est le printemps. Ils sont en train de s'accoupler, ces deux-là. Ah, ben voilà, il faut magnifique. Savoir que chez les escargots, l'accouplement dure une dizaine d'heures. Ça laisse rêveur. Hein. Ah oui, tout mais, à fait. Bon, il faut relativiser. Hein. C'est une fois par an, donc il faut leur laisser prendre le temps. Hein, oui. Bon, on peut pas tout avoir. Quoi, exactement. Hein. Oui. Alors, ben, on voit les œufs ici au fond. Oui, les œufs. Donc toutes les semaines, on récolte les œufs. Donc soit qu'ils sont utilisés en grande partie pour la production, ou alors on en tient aussi pour faire du caviar d'escargot. Caviar d'escargot. Caviar d'escargot. Ça, j'avais jamais entendu. Ben oui, c'est tout nouveau. On va en cuisine. Je vous suis. On y va. On y va. Eh bien voilà, c'est ici que Maître Eric officie, pas tout seul. Non, bien sûr, on a toute une équipe, heureusement pour moi. Aidé de, regardez, Dolores, bonjour Dolores. Bonjour. De Vincent et de Tristan. Voilà, grâce à eux, eh bien voilà, voilà tous les beaux produits qu'Eric et son équipe réalisent quotidiennement, on va dire. Oui, pratiquement. C'est-à-dire quand même que dans la semaine, il y a des jours qui sont plus pour la préparation, d'autres plus pour l'élevage. Et en fin de semaine, on fait les livraisons dans les restaurants et les magasins. Alors, partons du principe que les escargots ont été ramassés. Que se passe-t-il? Oui, d'abord, on les met jeûner pendant quelques jours dans des cageots, je veux dire, bien spécifiques. C'est important de les faire jeûner, pourquoi? Ben, pour qu'ils se vident l'estomac et l'intestin de tout ce qu'ils ont pu ingurgiter. D'accord. Alors, ils sont à jeun? On les ébouillante. Oui. Ben oui, il faut bien passer par là. Hein, voilà. Ensuite, on va les sortir de la coquille avec une petite fourchette à deux dents, les laver plusieurs fois pour qu'ils soient bien propres et enfin les cuire dans un courbouillon avec légumes et aromates. Lorsque les escargots sont cuits, voilà, un bel exemple de petits gris au courbouillon. Voilà. Et lorsqu'ils seront cuits, on les vend soit sous cette forme aux restaurateurs qui vont faire leur préparation eux-mêmes. Ou alors tout préparer au beurre à l'ail pour les clients qui n'ont plus qu'à les mettre au four. Et alors il y a plein d'autres préparations aussi. Oui, bien sûr, ici on a une recette. Je vois ici un pot-au-feu. Oui, c'est une soupe d'escargot aux légumes. On fait même un pâté d'escargot à la bière. On en fait aux champignons des bois, à la bière de Maretsu. Enfin, vous essayez continuellement de créer de nouvelles recettes? Oui, la dernière qu'on a créée ici au fête de fin d'année, c'était la croquette de petit gris, comme on fait la croquette de crevette. Et ici on faisait la croquette de petit gris. Donc
Régulièrement, on essaie de sortir un nouveau produit. Dites, écoutez, moi, je vais déguster vos petits gris, mais pas chez vous. Oh, dommage. Vous allez où? Eh bien, je vais à Louvive. Ah, mais oui, c'est un ami, Pierre Raymond, bien sûr. Grand chef. Oui, oui. Voilà, donc je suppose qu'il va partir de cette base-ci. Tout à fait. Et puis, il va nous crier. Oui, c'est le comme ça qu'il les prend, oui. Voilà, quelque chose de très subtil. Certainement. Merci pour votre accueil. Eh bien, vous m'avez appris plein de choses aujourd'hui. Ah, mais je suis bien content. Merci. Bonne continuation. Merci. Bon travail. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Je pense que oui. Ouais. C'est la première cuvée. Oui. Donc c'est Pierre Raymond, on devrait se retrouver en cuisine. Eh oui, mais et je vous surprends en charmante compagnie sur la terrasse. De temps en temps, je m'échappe de ma cuisine pour venir ici sur voilà. ma terrasse. Expliquez-moi, qu'est-ce qui se passe choses, oui. se déplace, hein. Expliquez-moi, qu'est-ce qui se passe. Mais écoutez, il se passe que donc, je suis venue faire déguster nos créments à Monsieur Raymond. Voilà. Vous êtes viticulteur. Voilà, voilà, voilà. À Bioul, à 2 km d'ici, en vol d'oiseau, 2 km. Ça existe, des viticulteurs dans la région? De plus en plus, en fait. Oui, ouais, on a quelques vignobles ici à gauche, réchauffe. À droite, du côté de Lustin, ici, du côté de Bioul. Ouais. Je crois qu'il y en a un maintenant qui vient d'être planté en allant vers Dinan, donc c'est vrai qu'on a pas mal. Alors, un crément de l'année, c'est ça? Un crément, donc 2010, puisque un crément, par définition, doit passer 9 mois sur latte, donc il est vinifié pour être crément. Ouais. Il est parti se faire... du bien pendant 9 mois, ouais. et il est revenu au mois de décembre. Donc et c'est aujourd'hui, vous aviez envie de le faire tester par un grand voilà, chef. Voilà, c'est oui, ça oui. Qu'est-ce qu'il en pense, le grand chef? On va... J'ai pas encore goûté. Allons-y, allons-y. C'est un bonnet, c'est un beau fruit. La bulle est bien présente. Ça, c'est net, assez tendu. Un petit peu de sucre résiduel. Pas trop, je trouve. Pourtant, c'est un bout de zéro, mais il y a un peu de fruit. C'est le fruit qui ressort, en fait. Il y a 3. Ouais. 3 grammes. Et vous, Vanessa, voilà. Est-ce écoutez, que vous êtes moi, satisfaite je... de cette première expérience? Dites-moi tout. Eh bien oui, très satisfaite, vraiment, parce que ce sont des cépages tout jeunes qui ont à peine 2-3 ans. Nous, on a fait une série de vins tranquilles qui ont tous été vendus, mais on avait une toute petite... Vins tranquilles, c'est-à-dire? Donc des vins non pétillants, des vins... Vins blancs, vins rouges? Vins blancs principalement. Principalement. Qui ont été vendus en 2010. Et nos vins 2011 sortent dans 3 semaines. Pierre, j'entends du bruit dans la cuisine, je crois oui. qu'il est temps de... Je pense que je vais travailler un petit peu quand même. Ouais. On va laisser Vanessa. Eh bien, merci. Un tout grand merci. 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 Je vous suis, moi, Pierre. Oui. Je vous suis. Pierre, est-ce que vous avez respecté notre contrat? À mais savoir, je... bien entendu, travailler les produits du terroir. Je crois que oui. Je pense, oui. Dites-moi. D'abord, j'ai travaillé des asperges de Malines. Des asperges de Fausto, la ferme de Fausto en Belgique. Oui. J'ai également travaillé les petits gris de Warnant, qui est juste à côté de chez nous. Mmh. Ok, on a été les voir là, d'ailleurs. Et on est ici sur une petite remoulade de céleri rave. On les voit sur un plat avec plein de couleurs. Oui. J'aime souvent associer en fait les côtés croquants, amusants, couleurs, etc. Donc, justement, comment est-ce qu'on pourrait définir la cuisine de l'eau vive? Voilà, la cuisine de l'eau vive, c'est d'abord une cuisine... J'essaie d'abord de trouver les meilleurs produits, comme on en parlait bien tout sûr, à l'heure. On en a voilà. parlé tout à l'heure. J'essaie de les respecter au mieux que je peux. J'essaie de faire une cuisine avec beaucoup de goût, sans mettre des produits qui sont inutiles. Parce que je pense que c'est important, c'est d'aller vraiment à l'essentiel. Maintenant, c'est important c'est que le plat soit harmonieux, que l'équilibre soit là dans les plats. Donc ça, je suis quand même fort attentif à ça. Vous voyez, là, ici, on a à la fois les asperges de Fausto, qui est près de l'Aube, hein, en Belgique. Et alors, les escargots vont arriver. Hein. Les escargots. C'est un peu lent, les escargots. Les escargots, c'est un petit peu lent. Hein. Voilà, ils sont ici, là. On a des petits pois, c'est les premiers petits pois qui viennent d'arriver. On les écosse 2 fois, parce que c'est plus agréable de manger un petit pois qui a été écossé 2 fois. On n'a pas la peau. En... Et voilà, voilà. Et voilà les escargots les de Warnant qui voilà. arrivent, qui sont là. Donc vous voyez, on part vraiment sur des couleurs, des textures, des Pierre, on rappelle que l'eau vive, c'est quand même 2 étoiles au guide Michelin. Hein. Oui, depuis combien de temps? 2 bonnes années, là, maintenant, oui.
C'est pas un peu de stress d'avoir deux étoiles sur les épaules? Comment est-ce qu'on gère ça au jour le jour? Moi, je pars du principe qu'on a eu une récompense pour un travail qui a été fait, pas un travail à faire. Donc, ça ne me met pas trop de pression. Voilà. Donc, c'est vrai que, on est toujours attentif. On essaie d'être Il faut garder le niveau quand même. De plus en plus, je crois que c'est beaucoup de rigueur, aussi bien de ma part que de mon épouse et de mon équipe. D'accord. Ou personne qui travaille. Pierre, on va passer à la grosse pièce. On va passer à la grosse pièce. Avec un produit de la région aussi. Qui est le bœuf, oui. Ce sont des vaches de 4 ans qui n'ont pas eu de jeunes. Oui. C'est du blanc bleu beige. Donc, il faut savoir que la bête doit avoir au moins 4 ans pour avoir une certaine couleur, une certaine tenue. Plus jeune, elle est beaucoup plus claire. Fais attention à tout ça, évidemment. Fais attention à ça, qu'elle ait quand même du gras. Et que, l'important, c'est qu'il y ait du goût quand même. Donc, c'est elle est où cette pièce de bœuf? Vous me la montrez? Je viens de la rôtir, je vais vous la montrer. Donc, voilà, ici. Pierre, on commence à dresser la garniture de l'assiette. Moussine de pommes de terre, de rate. Notre grosse pièce. Oui. Allez, rate, ça cesse. C'est bon, hein, ça a du goût. Oui, c'est une purée qui est fort beurrée, en fait. Un peu à Monsieur Joël Robuchon, qui est le spécialiste de la purée, mousseline. Ensuite, un peu de couleur. On a les oignons grelots. Oui. Hein, qu'on a juste caramélisé, en fait, pour un petit peu rehausser le goût de l'oignon. Pierre, je vous laisse continuer à dresser l'assiette. Oui. Hein. Vous allez permettre à un couple de téléspectateurs de venir goûter votre cuisine ici à Louvive à Rivière. C'est une bonne chose. C'est un beau cadeau. C'est un beau cadeau. Mais ce n'est pas tout, puisque nous allons permettre à un autre téléspectateur attentif de gagner une cocotte Le Creuset. C'est aussi un beau cadeau. Hein. Magnifique. Et puis, ce n'est pas fini, puisque Accueil Champêtre en Wallonie met en jeu un bon d'une valeur de 50 euros à valoir sur des produits régionaux que l'on trouve, bien entendu, dans nos fermes. Alors, pour avoir une chance de gagner un de ces nombreux cadeaux, Pierre, il va falloir... Une petite question. Voilà. La question, c'est Pierre qui la pose face caméra, là-bas. Voilà. Le restaurant L'Eau-Vive est installé depuis 20 ans. Combien d'étoiles au Michelin avons-nous? C'est tout simple. On en a parlé il y a quelques minutes. Je pense. Vous connaissez la réponse à la question, c'est tout simple. Vous allez sur le site de la PACW et vous vous laissez guider. Voilà, on continue la garniture de notre assiette qui avance bien. On a un petit croustillant de pain et beurre de micelle. Voilà, on a ici, ce sont des betteraves rouges. Des betteraves rouges, des mini, vous voyez, qui ont été confites. Voilà. Voilà. Donc vous voyez, une garniture très simple, avec des choses vraiment, on va à l'essentiel. Donc le beurre qui va avec l'oignon, qui se rappelle un petit peu le côté beurre. Très simple, quand même, très bien élaboré, tout en couleur et dans les formes. Voilà, c'est dressé juste. Et voilà la grosse pièce. Voilà la fameuse viande. Là, ici, on va mettre une belle tranche. Que l'on va découper. Voilà. Et que l'on va installer sur notre assiette. Pierre, je vous laisse découper. Moi, je vais dire au revoir à nos téléspectateurs. On va se fixer, bien entendu. Regardez la belle viande ici, comme elle est bien reposée. Elle est magnifique. Ah, et elle est... C'est fabuleux. Hein. Voilà, elle est rosée comme il faut. Donc voilà, donc ici... On va se fixer rendez-vous, bien entendu, le mois prochain. On va aller voir d'autres producteurs. On va aller voir un autre grand chef. D'ici là, eh bien, bonne cuisine, portez-vous bien. Et nous, on va déguster ça à notre aise, Pierre. Avec plaisir. Voilà. Ça ne serait pas une nouvelle non plus. Ça, c'est excellent. Ça, c'est tout le temps.